cherche mes futiles de rêves qui vacillent. Je gère les tempéraments qui journée sans rien. Et j'écoute les cadrans sonner à contre-temps lorsque passe le courant. Mais moi, quand est-ce que j'embarque dedans? Si l'on me donne le choix, je partirai. Si l'on me donne le choix, je ne resterai pas là. Si l'on me donne le choix, je partirai. Si l'on me donne le choix. Je garde animée quelques âmes ennuyées. Je fais taper du pied quelques paires de souliers quand c'est une bonne journée. J'observe l'effet miroir de mon faux désespoir, espérant émouvoir du bout de mon regard quelques larmes dans le noir. Mais moi, c'est pour quand la grande histoire. Si l'on me donne le choix, je partirai. Si l'on me donne le choix, je ne resterai pas là. Si l'on me donne le choix, je partirai. Mais moi, c'est pour quand la grande histoire. Si l'on me donne le choix, je partirai. Si l'on me donne le choix, je ne resterai pas là. Si l'on me donne le choix, je partirai si l'on me donne le choix. Aujourd'hui, le Festival musical indépendant Diapason se déplace chez Dame Tartine sur le boulevard Sainte-Rose à Laval pour rencontrer Catherine Dagenais. Bonjour, Catherine. Salut! Tu vas donner une prestation ici le 10 juillet à midi, si je ne me trompe pas. Tout à fait. T'as hâte? Oui, cool. Super. Le Festival musical indépendant Diapason, ça s'étend du 7 au 10 juillet. Je sais pas si tu as pu jeter un coup d'œil à la programmation. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont sonné des cloches? Oui, j'ai vu ça en fait. J'ai vu comme les Sœurs Boulay, c'est pas mal le premier nom qui m'est apparu. Là, j'ai mis ça sur Facebook. Je suis sur la même affiche que les Sœurs Boulay. C'était comme un accomplissement. C'est cool. Moi, j'ai eu la chance d'écouter ton album éponyme. T'es contente de ce que ça donne jusqu'à présent? Oui, ça fait mars dernier, là, donc c'est ça, près mars d'un an. 2015 que je l'ai sorti. Ça va bien. C'était vraiment une expérience comme... C'était planifié, sauf que c'était quand même un essai. On lance ça, puis on voit qu'est-ce qui se passe. Puis non, ça se passe bien. C'est quand même bien accueilli. Excellent. C'est pas facile parce que c'est un album autoproduit, si je ne me méprends pas. Dans un contexte comme celui-là, je sais que tu as fait beaucoup d'autres actions aussi. Là, on t'a vu dernièrement au Salon du disque et de la musique underground. Tout à fait, Donc, comment tu te débrouilles avec ça, l'autoproduction, la composition, l'interprétation? Oui, bien, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à peu près un an et demi, là, justement, juste avant de sortir l'album. Je trouvais ça important de commencer par le faire soi-même parce que je trouve que c'est une industrie assez compliquée. Ouais. Mais que je pense qu'au début, tu sais, quand c'est pas... quand tu commences, je pense que c'est assez faisable de prendre tous les chapeaux puis de faire le plus de rôles possible. Mm-hmm. Puis je tenais vraiment à le faire pour comprendre davantage tout ce qui se passe. Fait que je me suis essayée, puis ça a quand même fonctionné. Cool, excellent. Comment le festival s'est intégré dans cette démarche-là? Est-ce que t'as vu des avantages quand même à faire les auditions? Oui, bien le festival, dans le fond, c'est cool parce que c'est vraiment une bonne vitrine. Puis je pense qu'ils sont quand même pas mal dans les encouragements pour tout ce qui est de justement le festival de musique indépendant. Donc tout ce qui est se débrouiller soi-même, l'autoproduction, ça entre là-dedans aussi. Fait que c'est évidemment le festival, je me suis inscrite, on s'est tous mis là, puis c'est ça qui fait la promo. Fait que c'est cool qu'ils prennent des artistes comme ça qui sont pas nécessairement
hyper établi, hyper connu. T'sais. C'est ça, parce qu'il faut le dire, le festival musical indépendant Diapason, c'est des artistes établis, mais c'est beaucoup d'artistes de la relève, ouais, de Laval ici. Est-ce que tu connais un peu le vieux Sainte-Rose? T'es lavalloise, n'est-ce ouais, pas? Oui, c'est ouais, ça. Je viens de Laval. Je suis pas mal à l'opposé, donc Sainte-Rose, c'est pas tout à fait mon coin. Mais oui, évidemment, j'ai déjà fait un tour là, quelques fois. Là. Ouais, parce que là, il n'y a pas que chez Dan Tartine. Là, on est aussi sur la berge des Baigneurs, qui va avoir la grande scène principale. Ouais. Et aussi devant l'école Villemaire, sur le boulevard Sainte-Rose, on a la scène découverte. Parce que c'est beaucoup d'artistes de la relève là, comme toi qui vont se présenter. Donc, c'est, on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en fait, ouais, sur ce festival. Dis-moi, c'est la première fois que tu donnes justement une prestation dans un festival à Laval? Oui, à Laval, ben oui, okay, tout à fait. Okay, est-ce que tu as des attentes par rapport au festival Diapason à proprement dire? Là, pour ben, en fait, j'espère qu'il va y avoir des gens, c'est toujours ça, la crainte numéro un. Non, je suis pas mal sûre qu'il va y avoir des gens, c'est hyper sympathique ici, puis... c'est toujours cool de jouer devant des nouvelles personnes pour ben, un nouveau public, là, évidemment. Là. Oui, c'est ça. Ben, cet effet-là, c'est un public, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui se mélangent. Est-ce ouais, que si tu voulais décrire un peu ta musique là, pour ceux qui ne te connaissent pas, ouais, deux ou trois artistes qui feraient, qui donnent une idée de là, ta sonorité, ton approche? Oui, ben, dans le fond, c'est du pop francophone, je dirais. Folk jazz, c'est toujours un peu ça que je dis parce que j'ai quand même étudié en jazz, fait que j'espère que ça paraît un petit peu dans mes choses. Mais sinon, probablement la personne que j'écoute le plus, ça doit être Louis-Jean Cormier. Okay. On s'entend que c'est pas tout à fait ça, mais j'écoute aussi du jazz. Cyrie Aimée, qui est une chanteuse française que j'adore, que j'ai découvert vraiment récemment. On dirait que ça m'a influencée vraiment comme d'un coup, un gros coup. Fait que c'est ça, j'essaie d'y aller plus... vers le jazz, mais c'est quand même pop et hyper accessible. J'ai entendu des petites touches de manouche, là, sur ouais, c'est pas, ça quand aussi, même. Ouais, c'est un ça. Peu de tout. Ouais, ouais, c'est la bien. Guitare manouche aussi, j'adore ça, fait que j'essaie que ça paraisse un peu. Ah, c'est cool. Tu as participé à l'émission Jam, qui est animée par Patrick oui, Groux. Ça, c'est de la télévision franco-ontarienne, c'est le canal TFO. Ouais. C'est quoi, en fait, pour toi, comment tu trouves ça, là, exploiter des nouveaux marchés? Est-ce que tu penses aller vers le Canada anglais éventuellement? Oui, bien, c'est sûr que ce serait cool. C'est sûr que c'est de la musique francophone, mais il y a tellement de communautés francophones partout à travers le Canada. C'est vraiment pas juste au Québec. Mm-hmm. C'est ça que je me suis rendu compte. Jam, ça m'a quand même apporté plusieurs choses à ce niveau-là, notamment au niveau de la radio. Mm-hmm. Des gens de Vancouver qui m'ont écrit et qui ont dit ah, on veut faire passer ta chanson. Moi, c'est vraiment comme. Je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait, j'étais pas au courant de toutes les communautés francophones qui existaient. Puis c'est quand même une bonne vitrine pour ça. Donc, t'envisages, hein, c'est bien. C'est, donc, développe un peu le marché. Tu vois, des nouvelles initiatives. Excellent, on aime ça. En fait, j'ai aussi entendu dire que t'es semi-finaliste pour le Festival international de la chanson de Granby. Ouais, ouais. C'est super, vraiment, félicitations. Mais la dernière heure, merci. Beaucoup de travail en août, si ouais, c'est ça, exactement. Excellent, on va en te suivre pour ça. Si tu avais à dire par rapport au festival musical indépendant de Diapason, qu'est-ce ouais, qui nous distingue peut-être, étant donné que tu as vu plusieurs festivals, différents concours, en fait? Oui, bien, Diapason, c'est vraiment comme une vitrine. On s'entend que Granby, c'est d'autres choses. C'est vraiment c'est plus le concours. Oui. Puis je trouve que, en fait, venant de Laval, c'est vraiment le fun d'avoir un public qui est. Là d'où je viens, tu sais, c'est quand même rare que justement, moi, j'ai jamais fait de festival à Laval, fait que ça va être une belle occasion de me faire découvrir dans ma ville. Excellent. C'est vrai que le festival Diapason est un peu unique à cet effet-là pour un festival simplement musical. Il y a d'autres activités connexes. Là, on a des heures de restauration. Ils vont la plage Diapason aussi, là, ouais, quand ouais, on ouais, est sur le bord et avec le parc de la rivière des Méniles qui est pas loin, il y a des embarcations à louer. Quel genre de prestations tu nous réserves ici au Dan Tartine le dimanche 10 juillet? Oui, ben, je vais être avec mon guitariste, fait que on va être juste nous deux, assez acoustique. On est habitué de jouer juste nous deux ensemble, bien qu'il y ait une formule band qui existe. Donc c'est très intime, très. On y va dans le jazz, dans le manouche, puis on essaie de ramener les gens avec nous, fait que super intime, puis vraiment. Casual, si je peux le dire excellent, comme ça. Si les gens veulent aller entendre ce que tu fais, t'as ouais, un site internet? Oui, c'est ça, www.catherinedagenet.com. Puis sinon, j'ai un Bandcamp, donc à mon nom aussi, puis une page Facebook, Catherine Dagenet Artiste. Parfait. Est-ce que tu aurais envie d'inviter les gens à venir t'écouter? Ben oui, bien sûr. Fait que je vais regarder ici. Donc, je vous invite à venir m'écouter le 10 juillet à midi aux Dames Tartines.